objet de recherche. Je m'appelle Margot Déage et je suis doctorante en sociologie à l'Université Paris-Sorbonne et au laboratoire du GEMAS sous la direction de Didier Lapéroni. Cela fait un an que j'étudie le harcèlement au collège. Je fais des entretiens et des observations dans 4 établissements de la région parisienne, ainsi que sur Snapchat et Instagram qui sont les réseaux sociaux les plus fréquentés par les élèves. Plutôt que de me focaliser uniquement sur les conséquences du harcèlement pour les victimes, j'essaye de comprendre comment se construisent et se perdent les réputations dans les groupes d'adolescents. La réputation est une représentation socialement partagée qui guide les jugements, les prises de décision et les manières d'agir des individus. Une mauvaise réputation pourrait être un facteur de risque pour un jeune. Aujourd'hui, si on connaît très bien les conséquences du harcèlement sur les victimes, en termes de difficultés scolaires, de troubles psychologiques et physiologiques, on a encore beaucoup de mal à en comprendre les causes. En exerçant au collège, avant ma thèse, je me suis rendu compte que les professionnels de l'éducation pouvaient être autant désemparés que les élèves face à cette menace. Ils sont demandeurs de clés, d'analyses, pour prévenir, repérer et remédier au harcèlement. La réputation exclut aussi bien qu'elle intègre. Et j'espère par cette analyse pouvoir donner un nouvel éclairage à ce problème qui est au cœur des préoccupations actuelles.